votre canapé. Prenez place dans votre salon ou encore même dans votre chambre, dans votre terrasse, dans votre jardin, dans un parc même. Asseyez-vous tranquillement. Prenez vos Bibles. Et nous allons passer un moment d'édification, je le crois, qui va nous faire du bien à tous. La dernière leçon que j'aimerais échanger avec vous est basée sur l'adoration. Et nous allons voir ensemble si l'adoration pour vous est une éventualité ou encore pour d'autres, une nécessité. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Donc, asseyez-vous tranquillement, continuez à partager. Je vais demander à mon cher époux de pouvoir traduire ce moment de partage ensemble que nous allons passer ensemble. Il va le traduire en portugais parce que j'aimerais que ma famille brésilienne puisse aussi être édifiée par ce message, parce que je sais que le peuple brésilien est un peuple d'adorateurs. Alléluia. Alors ne vous étonnez pas, vous allez entendre ma voix masculine parler en portugais. Faço pedido pelo meu esposo de fazer a tradução em português, porque eu quero que a minha família no Brasil, tudo bem, lusofone, pode entender também a palavra de hoje, para seja edificada. Amém. Amém. J'aimerais en premier lieu vous demander si vous nous entendez bien. Eu gostaria, no primeiro lugar, si vous nous pedir entendez. Se você está ouvindo bem. Est-ce que le son est bon et correct pour vous tous? O som está bem para você, para todos? Mettez-moi un commentaire si vous. Pode colocar comentário. Si vous nous entendez bien ou pas se, bien? Se você está bem ouvindo. Pour qu'on puisse faire le nécessaire pour arranger cela. Porque nós a gente pode fazer o necessário para arrumar tudo isso. Et nous allons pouvoir commencer. Depois vamos começar. Amen. Amém. J'espère qu'en cette dernière semaine. Espero que nesta última semana de ano vous passez de bons moments en famille. Você está passando bom tempo com a família. À ceux qui fêtent Noël. Aquele que festa o Natal. J'espère que vous êtes bien égayés. Eu espero que você está bem. Et que votre Noël est basé réellement sur Jésus. Que seu Natal está baseado sobre Jesus. Et sur l'œuvre de la croix. E também sobre a obra da cruz. Vous qui fêtez Jésus, Noël, pardon, vous qui fêtez Noël, j'espère que vous avez pu réellement mettre en pratique le pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre, c'est-à-dire le pardon. J'espère que vous avez pu exercer le pardon. Vocês festa Natal, espero que você consiga de festar também em relação do que a Bíblia está falando para viver a palavra de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Bonjour à tous qui êtes déjà connectés. Je dis bonjour à ma bon fille Mélodie. Todos, a minha filha. Merci de répondre à l'appel. Obrigado bonjour, de responder nesse chamado. Bonjour à ma fille Felicia. Bon dia a minha filha Felicia. À mon fils Safi. O meu filho Safi. Dites-moi si vous nous entendez bien. Diga-me se você está bem ouvindo. Est-ce que le son est net pour vous? O som está bem para você? Est-ce que le son de la traduction aussi se fait bien entendre? O som da tradução também está bem para você? Tout est très bon. Tudo está ótimo. Bonjour à ma fille Isabelle depuis Djibouti. Bom dia à minha filha Isabela desde Djibouti. Que le Seigneur te bénisse grandement. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente. Alléluia. Amém. Continuez à partager à vos frères et sœurs. Continuez de compartilhar com irmãos e irmãs. Continuez à partager aux enfants de Dieu. Continuez de compartilhar com os filhos de Deus. Pour que nous puissions tous être édifiés. Porque nós podemos todos estar edificados. Alléluia. Amém.
J'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il me permet d'avoir. Gostaria de agradecer a Deus por este tempo que ele nos deu. Senhor, je te bénis. Senhor Deus, eu te abençoe. Je te rends grâce éternel, mon Dieu. Da graça. Toi qui es maître des temps et des circonstances. Você que está mestre de todo o tempo. Merci pour cette opportunité, Seigneur. Obrigado por neste momento. En ce dernier jour, cet avant-dernier jour de l'année. Esse último dia de ano. Tu nous permets de pouvoir communier encore ensemble. Você nos permitir de comunhar juntos hoje? Autour de ta parole. Com a sua palavra. Autour de tout ce que tu nous apprends chaque jour. Com tudo que você nos aprende todos os dias. Je prie que tous ceux qui regarderont ce live, Seigneur, puissent être édifiés. Et oro afin que todos que vai assistir neste live seja edificado. Qu'ils puissent être encouragés. Que ele pode estar encourager. Tu remplis ma bouche, Seigneur. Enche a minha boca, afin Seigneur, qu'elle soit un instrument de bénédiction. Afin qu'elle seja um instrumento da bênção. Pour ce dernier live de cette année, por Seigneur. Esta última, live. Merci pour ton esprit qui est au milieu de nous. Obrigado pelo seu espírito que está no meio de nós. Ton esprit qui agit malgré la distance. O seu espírito que está agindo. Além da distância. Parce que tu es le Dieu de près mais aussi le Dieu de loin. Porque você é o Deus de perto e também Deus de longe. Alléluia, Seigneur. Amém. Merci pour ta faveur. Obrigado pela Merci sua favor. Merci pour ta grâce. Obrigado pela sua graça. Qui pénètre dans les maisons à cet instant, Seigneur. Que está entrada na todas as casas. À cet instant. Todos os corações também neste momento. Alléluia. Amém. 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 Alléluia. Amém. Alors, voilà então, le thème dont je voulais parler avec vous. Assim é o meu assunto. Eu quero falar contigo, com vocês. L'adoration. Ou adoração. Une éventualité ou bien une nécessité. Uma eventualidade ou bem uma necessidade. Amen. Amém. Alors, il est vrai que então, é verdade, l'adoration. Adoração. Est souvent assimilée à un style de musique. Às vezes está assimilada com estilo. Le langage des chrétiens dit souvent. O linguagem dos crentes diga. Nous allons adorer le Seigneur. Nós vamos adorar Deus. Dans le sens où nous allons chanter des chansons douces. De uma maneira de cantar algumas músicas doces. Ou bien nous allons louer le Seigneur. Um então de dans un sens où la musique va être plus rythmée. Alors c'est comme une musique mais rythmique. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais dire à rappeler à quelqu'un aujourd'hui. Mas eu quero dizer hoje que la musique n'est l'adoration, pardon. Que a música é adoração. L'adoration. Adoração. N'est pas un style musical. Não é somente um estilo musical. Mais l'adoration. Mas adoração. Est un style de vie. Um estilo da vida. Est-ce que vous comprenez la nuance? Você está ouvindo. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que certainement à cause des écrits de l'Ancien Testament qui nous parlent de la tribu des Lévites. Talvez com o escrito de Antigo Testamento que nós falamos em relação com a tribo de Lévites, de leur consécration et de tout ce qu'ils faisaient dans le temple. Consecração deles e tudo que eles fazeram no templo. E dans cette tribu il y avait beaucoup de musiciens et beaucoup de chanteurs. E também na tribo da Levi tem muitas louvadores e cantores também. Certainement aussi à cause des écrits qui nous parlent, qui nous relatent la vie du roi David. Talvez com muitos escritos que nos falam da vida de David. Qui est l'auteur de tous les psaumes, quasiment tous les psaumes. Que é o autor de quase todos os psaumes. David qui était aussi chanteur et même musicien. David qui foi louvador e louvador. Et à cause de tous ces récits que nous relate la Bible. En relation com tudo isso que a Bíblia nos fala. Certainement les chrétiens ont assimilé l'adoration à la musique douce. Talvez os cristãos assimilaram a adoração com a música doce.
Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que l'adoration n'est pas un style de musique, mais un style de vie. Alléluia. Amen. L'adoration est un style de musique. Ce n'est pas un style de musique, mais un style, style de vie. Qu'est-ce qui caractérise l'adoration? L'adoration, c'est le fait de désirer plaire à Dieu. O desejo de satisfar Deus. Voilà ce qu'est réellement l'adoration. C'est le fait de désirer plaire à Dieu. O desejo de satisfar Deus. Et celui qui désire plaire à Dieu. Aquele que deseja satisfazer, agradecer a Deus. Répond à trois critères. Responde nos três critérios. Le premier critère. O primeiro critério. Celui qui désire aquele que deseja Dieu, adorar a Deus. Aime Dieu de tout son cœur. Ama Deus de todo o seu coração. De toute son âme. De toda a sua alma. De toute sa pensée. De toda a sua pensamento. De toda a sua força. Selon ce qui est écrit dans l'évangile de Marc. Segundo o que está escrito no evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Aleluia. Amém. Marc 12, verset 30. Marco 12. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 30, ama de toute ta pensée, seu coração, de todos os seus pensamentos, de toda a sua força. La deuxième chose à laquelle l'adorateur, le vrai adorateur, répond. A segunda coisa, na verdade, o verdadeiro adorador responde. C'est le fait d'avoir confiance, une confiance totale en Dieu. Et de ter confiança com Deus. Amen. Amen. Proverbe 3 au verset 5 nous dit. Proverbe capítulo 3 versículo 5 diz. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confia ao Senhor Deus de todo o seu coração. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. E não se base no seu sabia. Ésaïe 26:4 aussi nous dit. Ésaïas capítulo 4. 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Se confia no Deus para sempre. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Porque o Deus é o rocha dos siglos. Alléluia. Amen. Voilà le deuxième point auquel le vrai adorateur doit répondre. Aquele que o verdadeiro adorador, la confiance adorador totale en Dieu. Deveria responder. Uma total confiança em Deus. Le troisième point auquel l'adorateur doit répondre. O terceiro ponto, aquele que o verdadeiro adorador deveria responder. C'est l'obéissance à Dieu. É a obediência com Deus, em Deus. Alléluia. Amém. 1 Samuel 15, 22 nous dit. Primeiro livro de Samuel. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans tes holocaustes et dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? O Eterno Deus encontra ele a satisfação no teu sacrifício. Mm-hmm. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et mais que tout le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux la graisse des béliers. Et mais que que la grâce de sacrifice. Alléluia. Amen. Voilà les trois points auxquels l'adorateur doit répondre. Aqui sont os três pontos que precisam de responder ao verdadeiro adorador. Toi qui cherches peut-être à savoir ce qu'est réellement l'adoration. Você que está buscando de saber o que na verdade o verdade adoração. Ou toi qui cherches à savoir aujourd'hui 30 décembre 2020, você, est-ce que tu es un adorateur? Você que quer saber exatamente o que é o verdadeiro adorador? Alors pose-toi la question. Então você pode se perguntar. Est-ce que en tant que tel tu réponds à ces trois critères? Você, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu lui fais confiance? Et est-ce que tu l'obéis? Neste os três critérios, se você ama Deus, se você está com obediência para Deus, se você adora Deus na verdade. Alléluia. Amém. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu as confiance en lui? Est-ce você que tu lui obéis? Confiance, você ama ele, você tem obediência com ele. Alléluia. Amen. 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 Voilà les caractéristiques d'un vrai adorateur. Et isso os caracteristicos do verdadeiro adorador. Maintenant qu'on a vu que l'adoration vimos que adoração n'est pas un style musique, não de musique, mais style un style musica, de vie. Mas um estilo da vida. La question est, a pergunta é, comment dans ce cas doit s'exprimer notre adoration? Comment eu, a gente pode exprimir o seu adoração? Et c'est
en réalité, l'adorateur, c'est ce, le vrai adorateur, c'est celui qui cherche constamment à être en communion. É aquilo que constantemente buscando a comunhão com Deus. C'est celui qui cherche constamment à lui offrir. É aquilo que buscando constantemente de offrir. Le fruit de ses dons ou de ses talents. O fruto dos seus dons. Le fruit de ses dons et de ses talents. O fruto de seus dons. Qu'il a même reçu de lui aussi. Que ele recebe dele. Est-ce que vous comprenez? Você entende? L'adorateur n'est pas quelqu'un qui est inactif. Não é aquilo que está não ativo. L'adorateur, c'est celui o adorador é aquele qui réalise que sa relation avec Dieu realiza a sua comunhão com Deus est plus importante é même mais importante qu'une relation amoureuse ou la relation avec son mari. Uma simples relação com de namorada ou também com seu marido ou sua esposa. Je vais vous donner l'exemple. Quand vous êtes amoureux. Eu quero dar exemplo. Quando você está amorado. Ou par rapport à votre épouse ou votre mari. Sua esposa ou seu esposo. Parce que vous l'aimez. Porque você ama ele. Vous cherchez à maintenir votre amour. De manter o seu amor. En accomplissant différentes actions. Para cumprir muitas ações. Un jour, vous allez acheter un bouquet de fleurs. Um dia você vai comprar flores. Si vous êtes un peu, vous avez du goût dans ce genre de choses. Un jour, vous allez peut-être confectionner un très bon repas si vous avez des talents culinaires. Um dia você vai preparar uma boa cozinha. Amen. Uma vous boa allez refeição. Faire beaucoup de choses. Você vai fazer muitas coisas. Pour témoigner votre amour à votre femme ou à votre mari. Só para o seu amor para a sua esposa ou seu esposo. Selon les qualités que vous avez au-dedans segundo de vous. Segundo a qualidade que você tem. C'est comme ça qu'agit un vrai adorateur. É isso que agit o verdadeiro adorador. Il connaît les dons et les talents qui sont en lui. Sabe os dons e também os talents que está com ele. Il a conscience que ses dons et ses talents viennent de Dieu. Ele tem consciência que todos que ele tem vêm de Deus. Et chaque jour, il cherche un moyen de pouvoir faire plaisir à son Dieu à travers les dons et les talents qu'il a reçus. E cada dia ele busca jeito para satisfazer Deus em relação com todos os dons e talents que ele recebe de Deus. Et c'est pour cela d'ailleurs que la Bible nous dit qu'il y a une diversité tem uma diversidade de dons. De dons en chacun, il a donné à chacun selon sa volonté. Ele dá a cada segundo a sua vontade. Ça pour dire que de plusieurs, il y a plusieurs manières d'exprimer por son isso, adoration. Para dizer, tem muitas maneiras d'exprimer a sua adoração. Et cela me ramène donc maintenant à la musique encore. Et isso la musique, le don musical. Pode mostrar. Ceux qui ont le don de la musique, de jouer aux instruments, comme ma fille. Ceux qui ont été bénis d'avoir une voix angélique, par exemple. Eh bien, ces dons et ces talents sont juste des moyens d'expression pour exprimer son adoration. Para exprimir a sua adoração. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alguém pode entender? Si tu me comprends, dis-moi un amen que je regarde vos commentaires en même temps pour savoir si vous me suivez. Se você entende, pode escrever comentário, pode curtir também. Alléluia. Coloca coração no live. Je disais donc que la musique. Estou dizendo a música. Suite à ce que je viens de vous dire. En relação com tudo que estou falando. En réalité, en réalidade, le don vocal. O dom vocal que você tem. Le don musical que tu as. O dom musical que você tem. N'est qu'un moyen d'exprimer d'une manière visible et audible. É só jeito para exprimir de uma maneira visível. Ou audible. Sim. L'adoration profonde que tu vis quotidiennement profondamente em ti, em você. Tu comprends? Que você está vivendo. Donc ce n'est pas le fait de chanter qui est une adoration. Et non sou. Ce n'est pas le fait de jouer d'un instrument jogar, qui est une adoration. De cantar ou adoração. L'adoration. Ou adoração, c'est adoração, le fait que dans ton quotidien tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, que de toute ta pensée. Dias, você ama Deus da sua força, da sua comme nous l'avons lu, tu as confiance en lui. Você tem confiança de toute ta force. De toute sua força. Alléluia.
Alléluia. Amen. C'est ça en fait. Et isso a adoração. Et le fait de venir chanter n'est qu'une expression quando que l'on peut cantar, entendre. Eu sou uma pequena expressão que la véritable de sua adoração, porque a verdadeira adoração se passe au dedans de toi. Se acontece em ti. Alléluia. Amen. J'espère que tu me comprends espero là où tu es. Você está ouvindo onde j'espère você está. Que tu reçois un éclaircissement là où tu es. Espero que você recebe uma Alléluia. Éclaircissement onde você está. La Bible nous dit dans le psaume 49, 23. A Bíblia diz no Salmo 49, versículo. Le sacrifice de louange. O sacrifício de louange est de celui par lequel l'homme m'honore véritablement. Que homme me honra. Alléluia. La Bible dit encore dans Hébreux 13, 15. Diz, dans le livre d'Hébreux. No livro de Hebreus, au chapitre 13, verset 15. 13. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Amen. Alléluia. Amen. Le fruit de nos lèvres qui confessent de son nom. Boca. Par ces deux passages que je vous cite comme ça, par exemple, il y en a tellement. Para os dois versículos que eu estou falando, nous voyons bien que la louange, la louange est un moyen d'expression. A adoração é um jeito de expressão. E que a louange é um sacrifício que nos offrons a Deus. A adoração é um sacrifício que nós damos para Deus. La louange, ta louange est un cadeau que tu donnes à Dieu. Uma oferta para Deus. C'est pas par ta louange, non, disons que ce n'est pas la louange qui caractérise ton adoration. Et non en soi éloge qui caractérise à sua adoração. J'aimerais vraiment que eu gostaria, par la na grâce verdade, du Saint-Esprit, de Deus, vous communiquez vraiment cette leçon que le Seigneur m'a essa leçon que o vraiment Senhor fait comprendre cette année. Coloca no meu coração. J'adorais déjà le Seigneur avant. Eu adorei o Senhor antes. Mais je pense que je l'adorais simplement par ma louange. Mas eu acho que eu adorei ele só para a minha elogia. Ou comme beaucoup a minha d'entre música. Vous, beaucoup d'entre vous. Como muita gente entre nós. Je me disais. Eu me disais, je vais adorer Dieu. Eu vou adorar Deus. Et je fermais les yeux. Eu fecho et là, meus je chantais les cantiques. Je le faisais eu de tout mon cœur. De cantar as músicas. Mais eu fiz tudo isso de todo o meu coração. Mas eu entendi. À la suite de différentes épreuves cette année. Depois de diferentes provas esse ano. Que l'adoration se passe réellement. Se acontece realmente. Au plus profond de moi, dans le secret de ma vie. No lugar secreto da minha vida. De tous les jours. De todos os dias. Et ma manière de l'adorer profondément a minha dans le secret de adorar ele profundamente no lugar secreto sera traduit par ma louange lorsque je me tiens face vai à vous. Exprimar a minha elogia quando vai estar na frente de você. Et de ce fait ma louange aura un impact et neste momento, beaucoup plus a considérable. Minha elogia vai ter impacto mais grande. Alléluia. Amém. On a compris que la louange n'est qu'un moyen, est un moyen d'expression parmi a tant d'autres. A gente entendi que o elogio ou a música é só jeito d'expressão para exprimar a sua adoração. Et j'aimerais vous rappeler que la Bible nous parle des deux premiers adorateurs. Vou lembrar de dois primeiros adoradores. Dans le livre de Genèse. No livro do Gênesis. Au chapitre 4, versets 2 et 3. Capítulo 4, versículo 2 e 3. La Bible nous dit. A Bíblia diz. Elle, en parlant de Ève. Ela, em relação com Eva. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Sim. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Se você tem a sua Bíblia, você pode ler a sua Bíblia no livro do Gênesis. Capítulo 4, verset 2 à 3. Versículo 2 à 3. Vamos. Est-ce qu'on peut dire au peuple brésilien de partager, de se connecter et de partager aussi à d'autres pour qu'ils puissent aussi être édifiés? Si você está ouvindo este momento, você pode compartilhar com seus amigos brasileiros, português, da língua portuguesa, para compartilhar a fim que muita gente pode atender o que eu estou falando. Pode compartilhar, irmão, irmãos, você pode compartilhar com seus amigos na sua página Facebook, na sua conta, com seus amigos, a fim que muita gente, a fim de trazer muita gente para entender essa palavra muito forte
de Deus. Amém. Amém. Je tiens vraiment à saluer toute notre famille brésilienne. Eu quero cumprimentar toda nossa família brasileira. C'est votre servante, la prophétesse Deborah Kunda. É vossa serva, a profetisa Deborah Kunda. Et en ce 30 décembre, je souhaitais d'une manière personnelle. Nesse 30 dezembro, eu quero desejar de uma maneira pessoal de cumprimentar vocês. Et vous souhaitez le meilleur pour l'année à venir. E vos desejar o melhor para o próximo ano. Et à la fin, quand nous allons adorer le Seigneur, je voudrais aussi proclamer des paroles prophétiques. No final, quando nós vamos adorar a Deus, depois essa palavra de edificação, eu vou declarar algumas palavras proféticas para você. Pour vos familles. Para sua família. Pour vos familles. Para sua vida. Alléluia. Amém. Merci Seigneur. Amém. Alors je vous disais, então, la Bible dizendo, nous parle dizendo, a Bíblia des fala deux premiers adorateurs, Abel et dois Caïn. Primeiros adoradores. Alléluia. Abel la Bible Caïn. Nous dit au verset 3 que au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. Et Abel fit offrit à Dieu le premier-né de ses bêtes. Vous a connaissez Bible, l'histoire. La Bible dit au chapitre 4 de Genèse, au verset 3, passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo e oferando ao Senhor. Alléluia. Amém. Mais j'aimerais Mas apporter une précision. Quero... apportant uma precisão, atrasou uma precisão. Vous savez que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Você sabe que Deus recebe a oferta de Abel. Mais Dieu n'a pas agréé celle de Caïn. Mas não Deus recebe a oferta de Caïn. Alors vous me direz oui parce então, que dans le principe. Você diria no il fallait que le sang coule lorsque on fait une offrande. O sangue cai. Mais en réalité, mas en realidade, Dieu n'a pas jugé la quantité ou la qualité extraordinaire de leurs offrandes. Deus não julga, a quantidade ou la qualité ou la quantité. A qualidade ou a quantidade. Não. Das ofertas. Ce que Dieu a jugé, o que Deus julga, c'était les motivations qui ont conduit l'un et l'autre à offrir quelque chose à Dieu. A motivação que está atrás dessa oferta. Alléluia. Amém. Ce que Dieu a jugé, o que Deus julga, c'est les sentiments de leur cœur. Os sentimentos de seus corações. C'est leur état spirituel. O estado espiritual deles. Est-ce que tu me comprends? Você entende? Prega, 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 la Bible dit dans Jean 4, le livre de Jean. No evangelho Jean de 4, João capítulo 4, au verset 23. No versículo 23. Mais l'heure vient. Mas o tempo chega. Et elle est même déjà venue. Où les vrais chegou, adorateurs. Onde o verdadeiro adoreront le Père en esprit et en vérité. Yes, yes. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Je vous disais que lorsque Abel et Caïn ont fait leur offrande à Dieu. Quando Abel e Caïn offeram ofertas para Deus. Vous allez me dire peut-être mais Dieu était méchant, il n'a pas agréé l'offrande d'Abel. Você vai me dizer Deus estava duro com eles porque ele não aceitou a oferta de Caim. Le problème de le fait d'offrir n'est pas un problème. O fait de oferta é não problema. Beaucoup d'entre nous aimons venir à l'église et chanter à tue-tête, voilà Seigneur, je t'aime. Muitos entre nós amamos de ir na igreja, cantados, louvar a Deus, dizer Deus, eu te amo. Mas o que Deus regarde, ce n'est pas ce qui sort de ta bouche en réalité. Mas o que Deus olha, o que Deus veja, é não tudo que saiu da sua boca. En réalité, ce qui regarde, c'est ce qu'il y a dedans. O que Deus olha é que tudo que está em ti, em você. Il ne regarde pas forcément ce qui sort de ta bouche, mais il regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Deus não olha o que sai da sua boca, mas Deus olha o que está à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas qualifié l'offrande d'Abel à cause de sa quantité. Deus não qualifia a oferta de Abel em relação com a qualidade. Parce qu'en réalité, certainement, l'offrande Porque de Caïn était bien plus importante en termes de nombre. Foi feito mais grande. En termes de quantité.
en relation com a quantidade. Mas Deus a agréé l'offrande d'Abel. Mas Deus aceitou a oferta de Abel. A cause de l'état pur de son cœur. En relation de l'estado puro de seu coração. Aleluia. Amém. Prega, prega, profetiza agora. La preuve en est, c'est que ce choix depois esse escolho établi par Dieu, estabelece para Deus. Caïn est rentré dans une colère. Caïn foi dans une amertume. Foi chocado, foi triste. À un tel point qu'il est parti tuer son frère. Até, além de tudo isso, il va matar o seu irmão. Alors dites-moi. Diga para mim. Si Dieu devait s'arrêter juste au fait que Caïn ait offert quelque chose. Si Deus deveria se parar somente no momento Caïn. Il aurait été injuste. Mais Dieu connaissait les sentiments qui animaient Caïn. Deus sabia o sentimento que estava. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je viens de vous lire que l'évangile de Jean nous dit. O evangelho de João, capítulo 4. Que l'heure vient et elle est même déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. 23. Mas a hora está chegando e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aleluia. Amém. Au passage, je salue ma sœur, ma bien-aimée, pasteur Florentia Maxima. A minha irmã bem-amada, a pastora Florentia Maxima, que vivo. Que o Senhor te bénisse abondamment là où tu es. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente, abundamente onde você está. Aleluia. Amém. Alors je disais que en réalité. Estou dizendo em realidade. Je ne vais pas dire que Dieu n'en a que faire de nos offrandes, mais un peu. Eu não quero dizer que Deus não se feliz de nossa oferta. Mas Deus se réjouit. Está muito feliz. Lorsque les motivations de nos cœurs. A motivação de nosso coração est pure. Está puros. Aleluia. Amém. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. É importante que aquele que adora ele pode adorar em espírito e na verdade. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent avec des sentiments vrais. Amém. Avec des sentiments pur. Amen. Avec des sentiments vrais, c'est-à-dire dans l'esprit, avec des sentiments purs dans la vérité. Amen. Alléluia. Você c'est ça que Dieu recherche. Ele, na verdade. Dieu est esprit et il faut Deus que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. E precisa que todos que adorem ele no espírito. Nous avons vu que le don vocal et le don musical. O don vocal e da música est un moyen d'expression pour témoigner à Dieu notre adoration. Para expressar a Deus nossa adoração. Et nous avons vu aussi que. E nós vimos também. D'autres, il y a des manières indéfinies de pouvoir témoigner notre adoration à Dieu parce que les dons et les talents sont multiples. Há muitas maneiras de expressar nossa adoração para Deus. Alleluia. Porque tem a Bíblia diz que tem muitas dons e os dons são variados. Aleluia. Amém. E nós avons vu un exemple. E nós vimos um exemplo avec Abel et Caïn. Com Abel et Caïn, qui était l'un cultivateur, l'autre agriculteur, on va dire. Amém. 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 Un autre exemple que j'aime outro exemplo énormément. Que eu amo muito. Un exemple qui me touche beaucoup. Um exemplo que me... S'il y a un personnage vraiment dans la Bible, uma pessoa na Bíblia, qui a su nous faire comprendre ce qu'est l'adoration à travers ses actes, que consiga entender na verdade o que é adoração, c'est Marie de Bethanie. Et Maria de Betânia. Sans trop de paroles, mais avec des actes. Não com muitas palavras, só com atos. À chaque fois que la Bible nous parle de cada cette femme, cada vez que a Bíblia fala dessa mulher, trois fois, três vezes, à chaque fois, cada vez, la seule chose que cette femme faisait, a única coisa que essa mulher fez, c'est d'aller se prosterner aux pieds de Jésus, et de se joelhar na presença e na frente de Jesus. Alléluia. Amém. Le premier passage dans Luc au chapitre 10. O primeiro passagem é na Lucas capítulo 10. Versículo 39. Il est dit lorsque Marie était dans la maison de sa sœur Marthe. Está dizendo quando Maria estava na casa de sua irmã, da Marta. Uh-huh.
Elle avait sua irmã. Marta avait une sœur nommée Marie. Marta tinha uma irmã de nome de Maria. Amen. Qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Que foi sentando perto de Jesus e escutava a sua palavra. Amen. Amen. Deuxième fois, c'est dans. Segunda vez. Você pode pegar a sua Bíblia em português no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Versículo 39 Amém. Até 42. Aleluia. Uma história muito maravilhosa. Você pode ler, por favor? Eu posso ler para você. Eu vou ler a Bíblia Sagrada em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lisez chez vous aussi. Versículo 39. Você pode ler também na sua casa. Amém. A Bíblia diz o seguinte: então, o Senhor lhe declarou. Desculpa. Estou no capítulo 11. Eu vou ir rapidamente no capítulo 10. Prenez vos Bibles, vous aussi, et n'hésitez pegar pas sua à lire. Bíblia, você pode Luc ler 10, também. Verset 39. Lucas 10, capítulo 10, versículo 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Amém. On va encore lire un autre passage, toujours par rapport à Marie de Bethanie, la deuxième fois que la Bible. Ainda vamos ler um segundo passagem onde a Bíblia fala sobre Maria. Dans l'évangile de Jean. No evangelho de João. Jean 11, verset 32. João, capítulo 11, versículo 32. Je lis au nom de Jésus. Et vous lirez en nom de Jésus. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus et estava, le vit, vendo-o prostou-se aos seus elle pés. Elle tomba à ses pieds et dit. Et désabafou. Senhor, si tu eusses été ici, se estivesse aqui, mon frère ne serait pas mort. Meu irmão não teria morrido. Là encore nous voyons aqui Marie. Ainda nós vemos Maria. La première chose qu'elle fait a en voyant Jésus, quando ela viu Jesus, c'est tomber à ses pieds une deuxième fois encore. Elle se prostrou aux pieds de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons encore voir dans Jean au chapitre 12 verset 3. Ainda vamos ver no João capítulo 12 versículo 3. Marie ayant pris Maria pegou uma libra de bálsamo de nada puro. Continua. Óleo perfumado muito caro ungiu os pés de Jesus. Amém. E os enxugou com seus cabelos. Amém. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Aleluia. Amém. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix oignit les pieds de Jésus de et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du Amen. Parfum. Alléluia. Amen. Trois fois que la Bible nous parle de cette Três femme. Vezes a Bíblia fala dessa mulher. Trois fois que cette femme a Três vezes accompli essa un symbole d'adoration muito forte. Extraordinaire. Muito extraordinário. Peu de paroles. Pouco de palavra, mais tout est dans l'action. Mas tudo está no action. Alléluia. Amen. Le fait de se prosterner, de tomber aux pieds de Jésus, témoigne de toute la dévotion que Marie portait à Jésus. Amen. Marie aimait Jésus. Amen. Marie avait totalement confiance en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Marie était totalement dans l'obéissance vis-à-vis de son Seigneur. Maria estava totalmente em obediência em relação com Deus, o Senhor Deus. Amen. Voilà ce que signifiait cette action. É isso que significa de se prosterner à ses pieds. De se joliar. Nous sommes dans une génération où les chrétiens en parlent beaucoup. Nós somos numa geração onde muitos cristãos falam muito. Mais nous agissons peu. Mas tem pouco de ação. Et voyez-vous, c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre à moi-même d'abord. Est-ce que le Seigneur me fasse entender? Je vous disais que autrefois je disais je servais le Seigneur. Eu servo o Senhor.
Mas é verdade que j'étais certainement dans un mécanisme. É verdade que estava no mecanismo. Où je me disais onde que eu me dizer adorar Dieu. Adorar Deus. Je le fais au quotidien mais je le fais aussi surtout quand je suis dans la maison de Dieu dans le culte. Quotidianamente, mas eu faço isso particularmente quando eu sou estou na casa do Senhor, na igreja. Et le Seigneur a brisé cette compréhension que j'avais autrefois. Quebra essa compreensão que eu tinha antes. Pour me faire comprendre para que me fazer entender le chant n'est qu'un simple moyen d'expression. Que a música é só jeito de expressão. Mais toute l'adoration mas que je porte à adoração mon Dieu, que eu tenho para meu Deus. Dieu d'abord. Deus em primeiro lugar. Doit connaître cette adoration qui est au dedans de moi. Deveria saber essa adoração que está em mim. Puisque c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Porque ele que conhece tudo que está em mim. Et ensuite vient mon expression depois audible. Depois vem a minha expressão verbal. Marie aimait Maria tellement Jésus. Ama muito Jesus. Que même lorsqu'elle elle arrivait dans la présence de son Seigneur, les mots mesmo n'étaient pas quando forcément ela chegou utiles. Na presença de Deus, ela não tinha muitas palavras. Les mots n'étaient pas utiles. Elle não precisa de muitas palavras. Elle arrive à cette à ce lieu où Jésus était attablé ela avec chegou les apôtres. Onde Jesus estava com os seus discípulos. Elle n'a pas dit excusez-moi, est-ce que je peux rentrer? Ela não digo desculpa, pode entrar? Le cœur d'un adorateur. O coração de um adorador. C'est se faire comprendre et de celui qu'il adore. Et de se fazer entender aquele que sans ele même adore. Parler. Mesmo sem falar. Elle est rentrée. Ela entrou. Encore une fois, elle s'est courbée. Ainda uma vez. Au pied de son elle Seigneur. Se prosternou. Em pés de Jesus. Elle est venue offrir ce qu'elle avait de plus elle cher, de plus para, coûteux. Para dar tudo que elas têm de mais caro. Peut-être que ce talent qu'elle avait, c'était de commerce. Talvez o potencial que ela tinha de fazer c'était o comércio. Commerce, et qu'elle elle achetait des parfums peut-être pour les revendre. Que ela compra muitas perfumes para vender. Ou encore peut-être que le talent qu'elle avait, c'était la création de parfums. Ou a graça que ela tinha de fabricar perfume. Ça, Dieu le sait. Só Deus sabe isso. Mais ce que la Bible mas nous dit, que a Bíblia diz, c'est que Marie de Bethanie et que Maria de Bethanie est venue répandre sur les pieds de Jésus, les pieds fatigués de Jésus parce qu'il marchait beaucoup. Na presença de Deus para espalhar o seu parfum. Elle est venue répandre ce parfum de nard pur et de surcroît qui était d'un grand prix. Un parfum de mais caro. Le fruit o fruto de son don, de ses talents. De seu don. Elle est venue le répandre aux pieds de Jésus. Elle chegou para colocar voilà de Jesus. La manière d'expression a manière d'expressar de Marie de Bethanie. A manière d'expression de Maria de Bethanie. J'aimerais te dire toi qui es te dizer a devant ton écran que está diante o seu terrain, qui a peut-être le sentiment parfois talvez você tenha um sentimento, às vezes, de ne pas adorer Dieu correctement, de não adorar Deus corretamente parce que tu chantes faux. Porque você canta falso. Ou parce que tu as la frustration de ou ne pas savoir jouer d'un você instrument. Tem a frustração de não saber jogar instrumento. J'aimerais qu'à compter de ce jour, ou quero te dizer, à partir de hoje, que tu comprennes que você pode entender que Dieu a mis que d'autres dons en toi. Coloque um dom nos d'autres talents em você. En toi. Outros talents. Et avec cela, tu peux com adorer isso, ton você Dieu. Pode adorar o seu Deus. Il ne s'agit pas seulement de chanter. Não depende só de il cantar. Ne s'agit pas seulement de jouer não la só musique. Depende só de jogar música. Dieu a donné à tous ses enfants la capacité Deus par le don a todos ou les talents filhos a capacidade de pouvoir l'adorer. De muitos jeitos de adorar ele. Laisse-moi te dire. Deixa te dizer. Si tu as le don de liberalité. Se você tem o dom da liberdade. Tu peux adorer Dieu. Você pode adorar Deus. Lorsque tu aides un indigent, enquanto quelqu'un qui est dans la difficulté. Enquanto você ajuda uma pessoa pobre. Dis au Seigneur. Diga ao Senhor Deus. Mon Dieu. Meu Deus. Voilà mon adoration. É isso a minha adoração. Je donne mon aide à cette personne qui a eu besoin. Eu dou a minha ajuda et àquele que precisa. Cela, à travers cette action. Isso, essa ação.
Que mon adoration monte vers toi. Que minha adoração pode subir. Alléluia. Até no céu. Tu Amém. As une grande Você intelligence. Tem uma grande inteligência. Et tu mets cette intelligence au service Usa des autres. Essa inteligência au service dos outros. Je sais pas, en Não aidant sei. Quelqu'un à faire son CV, rédiger Ajuda un CV. Ajuda uma pessoa de fazer uma Tout letra, le monde uma ne sait pas faire ça. Todo mundo não sabe escrever. Tu peux adorer Você Dieu. Pode adorar en Deus. Mettant à disposition ton intelligence. Com a sua inteligência. Vis-à-vis des autres. Para ajudar outros. Dieu t'a béni dans les finances. Deus te abençoe na finança. Et tu ne sais pas Você où investir. Não sabe onde investir. L'œuvre de Dieu est là. A obra de Deus está aí. Sème dans l'œuvre de Dieu pour le royaume Sème de Dieu. Para a obra de Deus, et dis Seigneur, de Deus. E diga, Senhor, avec ce que tu m'as donné, com tudo que você me je dá, veux t'adorer. Eu quero te adorar. Prends cette offrande comme mon adoration. Pega essa oferta como a minha adoração. Quand tu es une personne qui marche par l'esprit, quando você é uma pessoa que caminha, que anda para o Espírito, tout ce que tu fais tudo que você vai fazer, doivent être fait sur la base de la parole de Dieu. Deveria ser feito em relação com a palavra de Deus. E en accomplissant ces actions qui sont conformes à la parole de Dieu, tu peux rappeler à Dieu. Quando você vai fazer todos os seus atos em relação com a palavra de Deus, você pode lembrar a Deus. Oui. Sim. Tu peux dire Seigneur. Você pode dizer Senhor. Comme Abel t'a offert son premier né de son troupeau. Seu primeiro Moi aussi, je t'offre. Animais, eu também. Le peu que j'ai, je te le donne avec tout mon cœur. O pouco que eu tenho, eu te dou isso com todo o meu coração, todo o meu amor para você. Agrée cela. Recebe isso. Si tu marches par l'esprit, se você anda para o Espírito, alors c'est l'Esprit de Dieu qui conduira tes actions. É o Espírito Santo que vai seguir o seu a sua adoração. Et c'est cela que Dieu agrée. É isso que o Senhor Deus. L'adoration ne doit ama. Pas être Adoração fait não precisa de ser avec un esprit de comparaison. Com espírito de comparação. Comme Caïn a pu le faire vis-à-vis de son frère. Como Caïn fez em relação com seu irmão Abel. Je vais faire quelque chose d'extraordinaire, Seigneur, pour toi. Eu vou fazer uma coisa extraordinária para você, de Senhor. Plus spectaculaire uma coisa que mon frère mais a espectacular fait. Que o meu irmão fez. Laisse-moi te dire. Me deixa te dizer. Que Dieu n'agrée pas ça. Que Deus não vai aceitar Dieu isso. Dieu ne regarde pas la quantité. Deus não olha a quantidade. Mais Dieu regarde à la qualité des sentiments qui animent le cœur. Que está no teu coração. Aleluia. Amém. Aleluia. Prega, profetiza. Offrons à Dieu le meilleur, non pas seulement l'or. Offre à Deus. Écoute bien. Tu dois offrir à Dieu você le meilleur de toi-même. Offrir à Deus o melhor de você. Mais je veux te dire que le meilleur que tu peux offrir à Dieu. Eu quero te dizer o melhor que você pode offrir à Deus é você mesmo. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Offrons à Dieu le meilleur de nous, tout en sachant que le meilleur que nous pouvons offrir à Dieu, Amen. C'est nous. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que Romanos, capítulo 12, versículo 1, diga o seguinte: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nós estamos no livro de Romanos, capítulo 12. A meia oferta que você pode dar para Deus é você mesmo. E a Bíblia diz no livro, no epítulo de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Prenez Romanos 12, 1 chez vous. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Aleluia. Amém. Oh, bien-aimé. Compartilha onde Ce você que está. Dieu compartilha. M'a fait comprendre dans mon esprit est tellement fort. O que Deus me faz entender no meu espírito que é muito forte. Que certainement même les mots ne sont pas assez. Certamente as palavras não são cela. Muitas Mais je crois que vous comprenez ma pensée. Isso, mas eu acho que você entende a minha pensamento. Ne vous limitez pas à ce que vos yeux voient. Não te limita aquele que os seus olhos vejam.
ceux qui ont des talents extraordinaires dans la musique. Sí. Eux, Seigneur, ils savent t'adorer, mais moi, sí, je ne sais pas t'adorer. Cada vez você está dizendo, oh Deus, eu não tinha a voz para te adorar, porque o meu irmão, a minha irmã tem uma voz mais melhor que mim. Não, não diga isso. Tu peux l'adorer. Você pode adorar-lhe. Bien plus, même peut-être que ceux qui ont des belles voix. Mais bem que tudo, aqueles que têm uma voix, uma voz bonita. En réalité. Em realidade. Même le fruit de tes dons. Mesmo os frutos de teus dons. C'est une bonne chose. São uma boa Mais coisa. Dieu ne se rassasie pas de Mas ça. Deus não está satisfeito. Je viens de disso. Te dire. Eu quero te dizer. Tu dois donner le meilleur de você toi deveria à Dieu. Dar o melhor de você a Mais Deus. Pour que Dieu se rassasie. Porque Deus seja satisfeito ce meilleur de você. Que tu dois donner à o Dieu. O melhor que você precisa de dar a Deus. C'est toi. E você mesmo. Ton corps, o seu corpo. Ton âme, o seu ton arma. Esprit, a seu espírito. Offre-toi à Dieu. Offre-toi à Dieu. Offerta tudo isso comme a Deus. Un sacrifice como saint. Um sacrifício santo. Vivant. Vivo. Et agréable à Dieu. Et agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit cet après-midi? Alguém pode entender? Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Alguém pode entender? Alors si tu as eu le don, si tu as reçu de Dieu le don de la voix. Si você recebe o dom da voz. Là où tu es dans ta maison, onde você élève está na sua la voix casa, pour l'adorer. Levanta élève sua voz para adorar l'adorer. Ele. Levanta si tu, sua voz onde você si está. Si tu as reçu le don si você de la danse, o alors da dança, lève-toi levanta et laisse son corps s'exprimer devant ton Dieu. Deixa seu corpo Dieu. Oh bien-aimé, si Dieu t'a béni dans les finances, si na finance, dans le premier culte de l'année 2020, le dimanche 3, dans ton église locale, no domingo 3 de offre janeiro, à Dieu na sua igreja, les prémices de ce que tu as. Deus, Alléluia. Que você Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a béni dans le matériel, si Deus te material, aide ton prochain, ajuda seu irmão, aide celui qui est dans la difficulté, ajuda aquele que está na dificuldade. Et dis à ton Dieu, Seigneur, voici mon Deus, adoration. Seigneur, veja minha adoração. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adore ton Dieu là où tu Adora es bien-aimé. J'espère que tu as compris. Que você J'espère que tu as entendu. Que você entendi. Et que ton esprit s'est Et ouvert. Que, seu seja que ton entendement s'est ouvert. Que seu entendimento seja Et que désormais, Et que agora, si cette année 2020, si essa no... 2020, tu étais limité dans ton adoration. Você foi limitado na sua 2021, 2021, je déclare que tu vas expérimenter les profondeurs de l'adoration. Tu vas expérimenter quelque chose de nouveau avec ton Dieu. Parce que tu as compris que l'adoration ne se limite pas seulement aux fruits de tes dons ou de tes talents. C'est un bon début. Mais tu as compris que la véritable adoration, c'est de se donner soi-même, corps, âme et esprit à Dieu. Corpo, arma, et je crois que 2020, eu creio que 2020 va être une année de percée pour toi. Une percée spirituelle. Tu vas entrer dans une nouvelle percée. Você vai entrar une nouvelle dimension. Uma nova dimensão. Une nouvelle dimension. Uma nova dimensão. Je le déclare pour toi. Eu déclare isso para você. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas entrer. Você vai entrar dans une nouvelle dimension. Uma nova dimensão de l'adoration. De adoração. Et j'aimerais te dire. Eu gostaria te dizer que tout ce que tu as pu vivre durant cette sacrée année 2020. Que tudo que você vive durante esse ano 2020. Est un sujet d'adoration. Un sujet d'adoration. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as pu vivre de douloureux. Tout ce que você ou vive de mal. De merveilleux. Ou de bon. Tout est un sujet tudo d'adoration. Et un sujet d'adoration. Alléluia. Amen. Dieu ne permet rien. Deus permite nada. Sans but. Sem objetivo. Il y a toujours quelque chose qu'il veut nous Tinha instruire. Sempre uma coisa que ele quer nos aprender. Mais je sais que la principale Mas des choses. O principal, la principale leçon. Coisa, o principal leçon. C'est que tes regards, ton cœur. O seu olho se torna vers Deus. Tout doit être centré sur lui. Que tudo seja. Quel que soit ce que tu vis. Centrado. Quel que a soit ele. Ce que tu vis. Et c'est la leçon Não que importa moi, o que você vive. C'est la leçon que moi, Déborah, je retiens. É a leçon que eu aguardo.
Vous savez, para mim, esse ano, 2019 était fin 2019 plutôt. Nous avons quitté la France. Nous sommes rentrés dans le champ missionnaire. Nós entramos no campo missionário. Moi et ma famille, minha família e eu. Et jusqu'à et tous les jours, tous les mois, toutes todos les semaines. Todos os meses, todas as semanas. Le Seigneur m'a, comment dirais-je, Senhor Deus, mis comme dans une parenthèse, c'est-à-dire que je suis depuis fin 2019, lado, je suis en train de vivre quelque chose, desde no final de une 2019, intimité extraordinaire até hoje, avec estou Dieu. Vivendo uma coisa muito estranha para explicar. Et si je uma peux, intimidade com Deus, si je peux vous parler un petit peu aujourd'hui, si eu posso conversar, falar com você. C'est parce que j'ai accepté de répondre à l'appel de Porque Dieu. Eu aceitei de responder ao chamado de Deus. Chose qui paraissait impossible Coisa à mon que entendement. Foi impossível no meu entendimento. J'ai laissé le travail. Eu deixei o meu trabalho. J'ai laissé mon environnement que je maîtrise. Eu deixei o meu environnement. Pour aller dans des lieux inconnus. Para ir num lugar que não conheço. Le Brésil. O Brasil. Maintenant l'île de la Réunion. Agora Ilha da Réunion. Loin de ma famille de Longe sang. Longe da minha família da sangue. Mais avec mon Seigneur. Mas com meu Senhor. Et c'est vraiment un temps extraordinaire parce que. É tempo muito extraordinário. J'ai développé une intimité. J'ai aiguisé ma relation avec mon Dieu. Je suis passé à autre chose dans mon adoration. Uma intimidade muito particular com Deus. Et mon adoration n'est plus et la même. A minha adoração não foi a mesma. Lorsque j'ouvre la bouche en présence, quando eu abro a boca na presença du peuple de Dieu, du povo de Deus, mon adoração n'est plus la a même. A minha adoração não é a mesma. Parce que j'ai accepté porque eu aceitei de laisser mes béquilles, de deixar mes béquilles, a minha assurância, mon assurance, o meu support, et j'ai dit oui Seigneur, eu digo, je sim, marche, Senhor. Et je te suis et je vis par eu la foi, ando, eu caminho para a fé. Et quand tu vis par la foi, et quando você vive par la fé, tu ne t'embarrasses plus des choses inutiles, você não se incomoda das coisas da vida, mais tu te focalises, você se foca sur l'essentiel, sobre l'essentiel. Et c'est pour ça d'ailleurs et je pense isso, que depuis que je suis ici maintenant à la Réunion, Deus, estou aqui na Ilha da Réunion, le Seigneur me demande o Senhor Deus me pergunta, de me communiquer à son peuple de ici comunicar ao seu povo aqui, l'essentiel, o essencial, o início de l'évangile de Christ, do Cristo, la rédemption, a redenção, le pardon, o perdão. Dieu ne fait rien par hasard. Deus faz nada para nada. Et j'aimerais t'encourager toi qui me suis. Eu gostaria de encorajar você que está encourager tous mes enfants dans la foi. Eu quero encorajar todos meus filhos na fé. À travers les nations. A través as nações. 2020 a été difficile. 2020 foi muito difícil. Mais tu ne peux pas sortir de 2020 sans rien avoir appris. Mas você não pode sair de 2020 sem nada aprender. Tu as certainement appris beaucoup de choses, mais je veux você appris muitas que la leçon principale, mas eu queria que a leçon principale soit celle-ci. Seja assim. Ne t'embarrasse plus des choses Não inutiles. Te incomoda das coisas sem importância. Ne t'embarrasse plus des choses Não inutiles. Te incomoda com as coisas mais focalise-toi sur ton Dieu. Se foca com Deus. Donne à Dieu le meilleur de ce que tu es. Dá a Deus o melhor que você é. Donne à Dieu dá a Deus le meilleur de ce que tu es. O melhor que você et le meilleur é. De ce que tu peux donner o à Dieu da... c'est toi. Do que você pode dar a Deus é você mesmo. Alléluia. Amém. Seigneur. Seigneur Deus. Je te bénis, Seigneur. Eu te abençoo, Deus. Je te rends grâce, éternel mon Dieu. Et eu te agradeço, Deus. Pour tout ce que tu as pu m'apprendre durant Por cette année. Pour tout ce que você me aprendi. Là où tu es, prie onde avec você moi. Está, comece de orar prie comigo. Avec moi. Ora remercie comigo. Le Seigneur. Agradece Deus. Pour les moments difficiles. Seja gratidão com Deus para os tempos pour difíceis. Pour les merveilleux moments. Para os merveilleux momentos. Pour tout ce que tu as pu vivre durant cette année. Por tudo que você vive. Dis-lui merci. Nesta Não, durante merci. Este ano, diga para ele obrigado, obrigado, merci, Senhor, Jesus. Obrigado, por Jesus. Tout ce que nous avons, tout ce que j'ai pu vivre, Seigneur. Por tudo que eu posso vivre, Seigneur, je te dis merci.
de ce que dans Seigneur certaines Deus, situations eu digo obrigado tu m'as brisé. Várias situações, você tu me quebra. Brisé. Você me quebra. Tu m'as brisé. Você me quebra. Mais tu n'as pas laissé ce vase brisé. Mas você não me deixa sozinho. Tu as brisé le premier vase. Você quebrou a minha vida. Pour en façonner un autre. Pour façonner la personne que je suis para aujourd'hui. Sair o melhor. Ah Seigneur, diante de je mim. Te dis merci. Eu digo obrigado. Parce que tu as agi avec moi comme un divin potier. Porque você age comigo comme le potier, comme celui o... qui, a fa... qui façonne. Alléluia, sim, Seigneur. Pode falar. Oh oui, Jésus. Sim. Tu as voulu, tu as trouvé bon dans ta volonté de briser le premier vase. Ah, você quebra o primeiro vaso. Tu as trouvé bon dans ta volonté. Mais c'est vrai que ça a fait mal. Ça fait très mal. J'en ai pleuré, Seigneur, j'en ai gémi. Mais Seigneur, tu ne t'es pas arrêté. Yes. Tu as façonné. Você é o meu oleiro. Un autre vase. Porque você faz um outro vaso. Le vase que je suis aujourd'hui. O vaso que eu sou. Au 30 décembre 2020. Au dia 30 de dezembro 2020. Un vase nouveau. Um vaso novo. Un vase encore plus beau. Um vaso mais bonito. Un vase qui brille encore plus. Um vaso que brilha mais. Un vase qui va servir à une utilité noble, Seigneur. Para uma coisa nobre. Et je te bénis pour cela. Eu te abençoe para isso. Déclare-le là où tu es. Onde você está? Dis-lui, Seigneur, merci diga de ce que tu m'as brisé. Senhor, obrigado porque você me quebrou. Par toutes ces situations que j'ai traversé cette année. Toute la situation eu vivo. Tu m'as brisé. Você me quebrou. Mais Seigneur, ton œuvre ne s'est pas Senhor, arrêtée là. A sua obra não para para aí. Tu m'as aussi você façonné, mais transformé. Transformar. Oh Jésus. Porque você é o meu oleiro. Merci Seigneur. Obrigado. Obrigado. Seigneur, laisse-moi t'offrir. Senhor, me deixa te offrir. Ce sacrifice de louange à présent. O meu sacrifício de louvar. Cette louange qui vient du plus profond de mon cœur. Parce que c'est ce que je sais faire. Parce que c'est le talent que tu m'as donné. Mais je prie que tu puisses inspirer à tes enfants filhos, la manière de laquelle ils peuvent eux aussi t'offrir adorar. Leur adoration. Amen. Escuta agora. Você pode começar a orar onde você está. Que a presença de Deus entra, chega na sua casa. Não importa a situação que você está vivendo. Não importa a situação que você está atravessando. Neste momento, uma profetisa Débora vai começar a te louvar. Uma unção vai entrar na sua casa para te tocar. Para mudar as coisas na sua vida. Porque você pode entrar no próximo ano cheia da vida em nome de Jesus. Peu importe là où tu es. Peu importe ce que tu as traversé. Ce que tu as vécu l'année 2020. Pendant que la prophétesse Deborah est en train de chanter, une onction va rentrer dans ta maison pour libérer ta vie, pour restaurer ta vie. Pour que tu rentres dans l'année 2021, pas tel que tu étais en 2020. Écoute bien. Você pode sentir a presença de Deus. Tu peux sentir la présence de Dieu maintenant. Maintenant, la présence de Dieu rentre dans ta maison. La présence de Dieu t'envahit. La présence de Dieu t'envahit. Seja enchi da presença de Deus. Que a presença de Deus entre na sua casa. Em nome de Jesus. Receba. Et maintenant je vois.
Seigneur. Ofereça a Ele a sua adoração.
L'expression de notre adoration, Seigneur, que tu puisses déverser une onction, mon Dieu, sur toutes ces personnes qui sont connectées. Que você pode liberar uma onção, que l'onction, Seigneur, puisse tomber, entrer, Seigneur, dans les maisons, que estão conectadas, là où il y a des cœurs disposés, Seigneur, là où il y a des cœurs qui te cherchent, Jésus. Toca. Que ta présence les environne, Seigneur. Que, sua présence entre que ta présence nous entoure, dele. Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Seigneur Deus, je déclare vraiment une percée. Eu declaro uma aceleração, Seigneur, pour cette nouvelle année. Divina, para une percée divine, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Une divina, expérimentation d'une nouvelle dimension de qui tu es, Seigneur. Afin que ce qu'ils n'ont pas pu voir en 2020 puisse, Seigneur, être visible en 2021. Tout que vir, oh, Seigneur. En 2020, pode ver. En 2021. Amen. Comece de orar onde você está. Comece a prier là où tu es. Comece de orar. Ore. Deus está na sua casa. A presença dele está na sua casa. Comece de orar. Você pode sentir a presença de Deus na sua casa. O movimento do Espírito na sua casa, na sua vida, no seu corpo, em nome de Jesus. J'aime.
Oui, j'aime ta présence. Alléluia. Oui, je t'aime, Seigneur. Seigneur, tu es le bien le plus précieux, Seigneur, que je garde encore. Toutes ces années sont passées, Seigneur, et jusqu'ici, tu as toujours été fidèle. Et cette année si particulière, Seigneur, 2020, cette année que mon esprit ne pourra jamais oublier, je veux encore te dire merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jamais je ne pourrai cesser de t'adorer. Jamais je ne pourrai cesser de t'aimer, Seigneur. J'ai tellement soif, Jésus. J'ai tellement soif, Seigneur. Toi seul, Seigneur, peux rassasier ma faim et tarir ma soif. Oh, Seigneur. Seigneur, je suis, Seigneur, troublée si tu t'éloignes de moi. Mais ce soir, je sais que tu es là. Et je sais que tu touches encore le cœur, mon Dieu, de ceux qui aspirent et qui ont soif de toi, Seigneur. Seigneur, ma prière est que tu te révèles encore davantage dans nos vies, Seigneur, dans la vie de tous les adorateurs. Que tu te révèles encore davantage en cette fin d'année, mais encore plus en cette nouvelle année qui arrive, Jésus. Que nous puissions, Seigneur, finir avec toi, mais que nous puissions aussi démarrer avec toi. Jésus, oui, j'aime, ta présence, oui. Oui, j'aime ta présence. Seigneur, adore-le encore là où tu es. Laisse ton cœur s'exprimer à cet instant. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu aimes sa présence. Alléluia. Prends ce temps juste pour lui dire. Prends ce temps juste avec lui. Dans l'intimité de ta maison, adore-le, élève-le, alléluia. Ton amour, Seigneur, nous réclamons ton amour, Jésus, ton amour, c'est ce que je désire, Seigneur. Jésus, où irais-je? Loin de toi, Seigneur, loin de toi, c'est la mort. Laisse-moi demeurer au plus près de toi, Seigneur. Dans ta présence, c'est là que je veux me tenir, Seigneur, tous les jours que tu fais. Peu importe le lieu, peu importe le pays, Seigneur, ce que je veux, c'est ta présence, Jésus. Adore-le là où tu es, adore-le. Si tu es poussé à prier en langue, alors fais-le. Adore le Seigneur, loue ton Seigneur. Que ton cœur s'exprime ce soir. Eh Seigneur, reçois les je t'aime de mon cœur, Jésus. Dieu fidèle. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'honorer, Seigneur. Que ma vie, Seigneur, soit une offrande pour toi, Jésus. Une offrande pour toi, Seigneur. Prends
prends ma vie, Seigneur, comme une offrande, Seigneur, comme un sacrifice de bonne odeur, Jésus. Comme un sacrifice de bonne odeur, Jésus. Nous voulons nous offrir, Seigneur. Pour ma part, je veux m'offrir, Seigneur. Corps, âme et esprit, Jésus. Tout est pour toi, Seigneur. Tout est pour toi, Seigneur. Aujourd'hui, mais pour toujours, Jésus. Je veux, Seigneur, t'adorer. Été là, Seigneur. Seigneur, cette année 2020, nous avons, ma famille et moi, fait quasiment le tour du monde, Seigneur. Nous sommes passés, Seigneur, à travers les flèches de cette pandémie, Seigneur. Nous avons traversé les océans, Seigneur, mais tu nous as gardés jusqu'ici. Jusqu'ici, Seigneur, nous sommes tous en bonne santé éternelle, mon Dieu. Jusqu'ici, Seigneur, nous sommes tous unis. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas être reconnaissant, Jésus? Seigneur, je veux t'offrir, Seigneur, mon sacrifice de louange pour te dire merci, pour te témoigner ma reconnaissance, Seigneur. Tu es celui qui est et qui vient, Jésus, Jésus. En toi j'espère et ma vie entre tes mains, Jésus, tu es. Tu es le Dieu qui est et qui est, qui vient, Jésus, Jésus. Tu es celui qui est et qui est, qui vient, Jésus. Oui, Jésus, en toi j'espère et ma vie est entre tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es que je connaisse, Seigneur, c'est toi, Jésus. C'est toi, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.
Et avec toi, Seigneur, j'ai traversé les océans. Avec toi, Seigneur, j'ai traversé les nations sans que, Seigneur, ce virus ne puisse m'atteindre ni atteindre ma famille, mon foyer. Seigneur, je veux te témoigner ma reconnaissance, Seigneur. Seigneur, je veux reconnaître tes prodiges éternels, mon Dieu, mon roi. Oh, cette année, tu en as fait, Seigneur. J'ai vu tes miracles cette année, Seigneur. J'ai vu ton miracle cette année, Seigneur, mon Dieu. Alors que le diable me criblait, alors que le diable voulait ma destruction, Seigneur. Oh, Jésus, j'ai vu ton miracle en voyant ta fidélité à mon égard. J'ai vu les cœurs se convertir, Seigneur, à travers les nations. J'ai vu des malades être guéris, Jésus. Laisse-moi te témoigner ma reconnaissance, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Oui, je crois en toi. Changer les circonstances de la vie de tous ceux, Seigneur, qui suivent cette vidéo. Seigneur, les choses ont été d'une certaine manière cette année 2020. Mais je crois, Seigneur, toi le Dieu de l'impossible, toi à qui rien n'est impossible, tu peux changer, Seigneur, les circonstances. Tu peux changer, Seigneur, nos destinées, Jésus. Tu peux les changer. Tu peux changer. Tu peux changer toutes choses, Seigneur. Tu peux changer les circonstances, Seigneur. Là où il y a la maladie, Seigneur, tu peux changer les circonstances parce que tu es le Dieu des miracles, tu es celui qui guérit. Là où tu es dans ta maison, si tu as encore, tu es souffrant d'une quelconque maladie, je te demande juste de poser ta main sur ton cœur, pose ta main sur ton cœur et ma prière est que la guérison puisse te pénétrer à cet instant dans le nom de Jésus. Je déclare que tes infirmités de 2020 ne seront pas là pour 2021. Je déclare que ce jour va garder dans son sein, ce jour va garder dans cette année tout ce qui te freinait, tout ce qui t'empêchait d'avancer, que ce soit la maladie, que ce soit les échecs par succession, tout ce qui t'a empêché de te déployer restera sur 2020 et 2021. Tu vas écrire une nouvelle histoire de ton existence. Je le déclare au nom de Jésus. Vous êtes prêts à dire, au revoir. Je déclare que tout ce qui t'empêchait de te déployer que tout ce que non en 2020 de se désenvolver en 2020 va rester en 2020. Va ficar em 2020. Je crois au Dieu des miracles. Eu acredito no Deus. Je crois à celui qui peut accomplir l'impossible. Aquele que pode cumprir. Et je déclare l'accomplissement de cet impossible dans ta vie. Eu declaro que tudo que dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Você pode orar Est-ce que comigo? Tu peux déclarer avec moi? Você pode declarar comigo? Seigneur, Seigneur Deus, 2021, 2021. Je déclare la percée spirituelle. Eu declaro o avançamento pour ma vie, spiritual para minha pour vida, ma famille. Para minha família. Je déclare que tout ce qui m'empêchait de me déployer en 2020. Eu declaro que tudo que me incomoda va rester en 2020. 2020. Et 2021, 2020. Je vais commencer 2020, l'écriture d'une nouvelle page de mon histoire. Uma nova história da minha vida. Parce que je crois au Dieu des miracles. Porque eu acredito no Parce Deus que je crois miracles. Au Dieu de l'impossible. Eu acredito no Deus de impossível.
Oui, Seigneur. Sim, Deus. Oui, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Eu acredito em você. Tu es le você é o Deus dos milagres. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Eu acredito em você, Deus. Tu es le Dieu des miracles. Você é o Deus dos milagres. Pour 2021, Seigneur. Pour 2021. Oui, je crois en toi. Eu acredito em você. Oui, je crois en toi. Eu creio em você. Tu es le Dieu des miracles. Tu es o Deus Seigneur, dos milagres. Je crois. Oui, je crois en toi. Eu creio em ti. Oui, je crois en toi. Eu creio em ti. Tu es le Dieu des miracles. Tu és o Deus dos milagres. Seigneur, je crois, Jésus. Seigneur Deus, eu creio, Alléluia. Jesus. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Alléluia là où tu es? Você pode dizer diga amém onde você Est-ce está. Que tu peux acclamer ton Seigneur là où tu es? Você pode aplaudir Deus onde você Il está. Mérite toute la gloire et tous les honneurs. Je crois que ce que nous avons partagé aujourd'hui. Eu acredito que tudo que nós compartilhamos a hoje. À quelqu'un. Et je crois eu que tu as compris. Eu acredito que você entende. Que ce que Dieu veut. Que aquilo que Deus quer. C'est toi. Et você. Alors ta première comment dire ta a première tua, décision à toi première décision pour l'année à venir para o próximo ano que vem, c'est de t'offrir toi-même à Dieu et de te offrir comme un sacrifice à Dieu comme un sacrifice vivo. Alléluia. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous remplisse encore de sa paix, de sa joie. La fin de l'année est là. Que Deus te enche. Prenez du temps dans sa présence. De paz, de feliz. Vous n'êtes pas sans savoir les réalités spirituelles de ce qui se passe dans cette période de l'année. Você sabe a realidade espiritual do que Alors, se acontece. Restez vraiment dans la présence de Dieu. Ano, fica na presença de Deus. Avec vos familles. Com a sua família. Prenez des temps de prière. Pega tempo de oração. Des temps de louange. Tempo de louva. Des temps de célébration. Alléluia. Para celebrar que Deus. Le Seigneur vous bénisse grandement. Que o Senhor abençoe vocês à Paris, en métropole. Em Paris, em France, au Brésil. No Brasil. En Afrique. Na África, partout en Europe, partout dans les nations, em todo lugares, ici à l'île de la Réunion, as nações, aqui na ilha da que Réunion, le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor Deus...